contente qu'on va faire un pyjama party à 3h du matin. Ça va être trop bien. J'ai tout organisé. J'ai des boissons. Des Haribo. Oui, il faut bien des bonbons gummy comme des Haribo. Ils sont délicieux. Moi, j'aime bien ce cœur. Mais vérité, à vrai dire, je pense que faire un pyjama party à 3h du matin est peut-être pas une bonne idée. Parce qu'à 3h du matin, il y a des sorcières, des fantômes, des extraterrestres. Tu entends ce bruit? Qu'est-ce que c'est, vérité? C'est Harry. Peut-être Harry sent des choses mystérieuses. Parce que c'est pas normal qu'il soit réveillé. Il fait peur, hein. Oui, il fait très très peur. Non, 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 maman, t'inquiète pas, c'est bon, je suis sûre qu'elle a juste eu un cauchemar. Bah c'est vrai, les chiens peuvent rêver, tout comme nous les humains. Bon, allons Vérité, on va voir notre film. Allez, je porte ça, bah toi tu vas porter les poissons. One minute, 37 seconds later. Tiens, elle dort. Mais Vérité, tu vois, elle dort. Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire de regarder Peppa Pig à 3h du matin? J'aime beaucoup Peppa Pig, j'adore leur petite famille. George, il est trop marrant. Il adore les dinosaures comme Tia. Maman, moi aussi, je veux voir Peppa Pig. Il n'y a pas que Tia. D'accord, mon cœur. On va voir Peppa Pig. Ah, mais là, je commence à être fatiguée. Un peu fatiguée. La journée a été longue. Je peux me reposer en écoutant de la jolie musique. Ah, je crois que ma voisine est en train de se réveiller. Est-ce que tu sais où on est? On est dans le ciel et je suis à côté de toi. Regarde. Peppa Pig? Oui, c'est bien moi. Je m'appelle Peppa Pig. Peppa Pig? Mais qu'est-ce que tu fais là, Peppa Pig? Je suis dans cet avion avec toi et je voyage. Au fait, c'est quoi ton nom? Tu t'appelles comment? Moi, c'est... Je m'appelle comment? Tout le monde a un prénom. Tu dois bien savoir comment tu t'appelles. Je ne sais pas. Désolée, je ne connais pas mon nom. Et je ne sais pas pourquoi je suis dans cet avion avec toi, Peppa Pig. Moi, en tout cas, je sais pourquoi je suis là. Je vais en vacances. Tu vas en vacances? Oui, tout à fait. Je vais rejoindre ma maman et mon papa dans ma maison de vacances. Peut-être que je vais aussi en vacances. Franchement, désolée, je ne me souviens pas. Mais tu te souviens vraiment de rien du tout? Je ne me souviens pas de mon nom. Je ne me souviens pas de pourquoi je suis là. Désolée, Peppa Pig. Mais c'est bizarre, je connais ton nom, mais je ne me souviens pas du mien. Peppa Pig, attends, j'ai une idée. Je vais demander à ce monsieur. Oui, c'est une excellente idée. Demande au personnel de bord. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous aurez la liste des passagers? Oui, je suis sur siège numéro... Ah oui, vous avez raison, siège numéro 5. Est-ce que vous pouvez me rappeler mon nom, s'il vous plaît? Excellente idée. J'espère que cette astuce va marcher. Ah oui, oui, c'est moi, ça doit être moi, puisque je suis assise sur siège numéro 5. Merci. Tu es bien sur le siège numéro 5, mais quel est ton nom alors maintenant? Est-ce que tu le connais?
Au fait, Peppa Pig, je m'appelle Angela. Angela, mais c'est très marrant ça. Oui, j'ai juste oublié, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne me souviens pas pourquoi je suis dans l'avion. Et je ne sais même pas où je vais et où je vais rester. Oh non, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Non, attends, si vraiment tu ne sais pas où aller, eh bien, tu peux rester chez moi, c'est pas un problème. Je peux rester avec toi? Oh, t'es sûre, Peppa Pig? Merci, Peppa. Bah d'accord, je vais avec toi. Mais est-ce que tes parents ne vont pas se plaindre? Puisqu'on vient à peine de se connaître et tu m'invites chez toi. Ne t'inquiète pas, Angela. À la maison, nous avons une chambre d'amis pour recevoir tous nos amis. Ah, super, génial. Merci, Peppa. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu étais en train de regarder? Je vois qu'il y a un film là. Oui, je regarde un film génial qui s'appelle Le Grinch. Le Grinch? Je pense que je l'ai déjà vu parce que ça me dit quelque chose. En fait, c'est un dessin animé avec un monsieur tout vert. C'est un film de Noël, il me semble. Écoute, Angela, prends les écouteurs et regardons ce film ensemble. Oh! Ah, super, pourquoi pas? Later. Oui, Angela, c'est ma valise. Tu peux la prendre. Mais fais attention, c'est lourd. Très, 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 très lourd. Peppa, voilà, j'ai trouvé ta valise. Mais moi, je n'ai pas de valise. J'ai regardé et il n'y avait pas de bagages pour Angela. Et tu sais, Peppa, il se fait déjà très tard. Donc, Bah oui, j'aimerais bien venir chez toi. Mais j'espère que tes parents ne vont pas dire « Mais pourquoi Angela est là ?» Il n'y a pas de souci, Angela. Non ? Ne t'inquiète de rien. Oh, il n'y a aucun souci. Oh, super, Peppa, t'es super gentille. Gros câlin. Allez, c'est parti. Verity? Tia? Peppa! Nous ne sommes pas dans un avion? Avion? Mais quel avion? Qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi tu parles? J'étais dans un avion avec Peppa Pig et j'allais chez elle et tu n'étais pas là et Tia non plus! On faisait une pyjama party! Hein? Regarde avec tous nos bonbons et tout! Je comprends rien! Moi non plus. La télé est cassée. L'écran, il est tout cassé. Oh non. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Bienvenue dans mon